prochainement dans Ici tout commence sur TF1. Némi a été séquestrée pendant 16 jours et a réussi à s'échapper. Après son retour à elle, Hôtel Beaumont, la chef est déterminée et souhaite revenir dans le championnat pour la finale. Benoît de Lobel se retire donc, mais il pense que c'est une mauvaise idée après ce qu'elle a vécu. Ainsi, la finale du championnat de Petit Cerier a enfin lieu. Elle va se dérouler sur 2 jours et les chefs devront réaliser une piste Monty. La chef Matré et le chef de Mirène ont plus de commis et vont donc affronter avec leur second. De ce fait, ils ont une heure en plus pour elle, épreuve contrairement à Tessier et Annabelle Cardon qui affronteront le lendemain. Mais, pendant elle, épreuve Némi a oublié de faire la ganache. Greg agace et aurait eu le temps de la faire. Et la panique pour elle, équipe. Greg demande il se met sur le praline pour la ganache, mais Némi entend pas et lui demande de repeater, cela prouve qu'elle est ailleurs. Elle se montre hésitante et réfléchie. Pendant ce temps-là, le chef de Mirène active tout en regardant ce qu'il se passe dans elle, équipe adverse. Greg met la pression à Némi. Cette dernière excuse car elle a du mal à se concentrer. Après ce qu'elle a vécu, Greg fait preuve d'empathie et rassure sa chef. Il prend lui-même la décision de se mettre sur le praline. Ainsi, la séquestration de Némi laisse des traces. Greg, dont elle interprète jouera prochainement un chanteur célèbre sur France 2, se confie plus tard à Elliot et avoue ne pas avoir reconnu sa chef. Le visuel de la piste Monty de Némi est critique par la chef Cardon tandis que Tessier trouve déjà pas mal qu'elle ait réussi à sortir un dessert après ce qu'elle a vécu. Mais, c'est une finale, et la concurrence est rude. Ainsi, cela semble fini pour Greg et Némi. Logiquement, ils ne gagneront pas la compétition. Ici tout commence et à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.